Souvent, on arrive dans un jardin et il y a des choses qui ont déjà été plantées. C'est le cas pour ce rosier que vous voyez derrière moi, qui est magnifique cette année. Pourtant, je sais pas, il y a un truc dans ma famille, on n'aime pas les rosiers. Ça pique, c'est chiant, ça a plein de maladies. Moi, il était là, je me suis dit autant lui donner sa chance cette année, parce que ça fait 3 ans que je suis là. Et les 2 premières années, on va pas se mentir, je l'ai surtout taillé pour pas qu'il m'emmerde. Parce que comme c'est un rosier grimpant, il a aucune tenue quoi. Toutes ces lianes se baladent comme ça, ces lianes pointues. Hein, et puis on finit par se les prendre, se faire des trous dans ses pantalons, enfin tout ça quoi. Les rosiers grimpants sont rarement malades. Et je sais pas, l'année dernière, il a dû me donner une rose. Et je me suis dit, c'est quand même jolie une rose. Une rose rouge, bien rouge comme ça là. Vous voyez quand même, dans un jardin, ça a la classe non? J'avais ce rouge là, ce rouge intense. Et je me suis dit... j'ai ma clématite juste à côté, pourquoi ne pas associer les deux? Ma clématite qui est d'un violet profond, vraiment magnifique, et qui l'année dernière, sur son petit support, a eu beaucoup de mal à tenir. J'ai dû l'enrouler, la réenrouler dans le support, alors que elle, tout ce qu'elle voulait, c'était aller beaucoup plus loin. Donc je me suis dit, eh ben là, je vais leur trouver un moyen de s'associer. Et donc bon, bah, j'ai fait ça avec des fils, hein, mais regardez plutôt le résultat. Voilà les fleurs violet intense de la clématite qui s'associent parfois avec le beau rouge rose de cette rose. Voilà. Non mais regardez-moi cette arche fleurie quoi. Voilà, donc l'idée bah, c'est que ça aille jusqu'en haut. Hein, et que ça continue à fleurir sur toute la saison. Donc, quand vous aménagez, essayez de penser aux associations de couleurs. Voilà, et on embrasse les rosiers grimpants.